Bonjour à toutes, ici Sky Galaxia. J'espère que vous êtes tous bien aujourd'hui. On se retrouve pour le 52e épisode de Pokémon Soleil. Alors, la dernière fois, dans le fond, on avait récupéré la flûte, on avait capturé un noix de coco aussi. On va juste voir ici. Donc, je vais le prendre. Bien que là. Ah ah. Ici, il y a un morceau là. Des gammes, un morceau, une cellule. On va la prendre. Ok. On est rendu avec 12 cristallisables. Il en faut, je pense, c'est 16 ou 17. Chose de mal. Donc on est vraiment à la fin. On se rapproche de la Ligue Pokémon. Coucou, ça s'est bien passé? Oui, mais... je n'aurais pu rien faire sans toi. Bah, faut point d'en faire, ma grande. Comme disait mon pépé, aide ton prochain, ton Pokémon te le rendra bien. Attends, non, c'était ça. Aide-toi, ton Pokémon t'aidera. Bref, faut s'entraider dans la vie. Bourri, bourri! Toutes ces histoires de combat, ça me donne bien envie de voir ce que tu vaux. T'as point l'air de manquer d'admirateurs, à commencer par Lily. Ça tombe bien parce que le moment de la grande épreuve est venu. Je suis peut-être toute jeunette, mais tu vas voir que je suis pas une doyenne au rabais. Bourina, c'est moi, on envoie du pâté. Après tout, on a traîné nos sabots dans tout la loula. T'es prête à nous affronter, mes Pokémon et moi? Je te préviens qu'on fait point de la dentelle. Je suis là. En tant que doyen, je te défie. J'ai utilisé la gemme lumière que le gardien m'a filée pour faire un bracelet Z. Je vois que toi aussi, t'as un bracelet Z. Le gardien et la force Z sont avec nous. C'est parti pour la première grande épreuve de... la doyenne Pauline. Un beau gros combat sans chichi, bien bourrin. Ok. Ok, elle utilise des Pokémon de type sel. Donc l'eau va être efficace contre elle. Mais quand c'est Pokémon. Et voilà. Et là. Et de deux. Il est bon. Les dragons seuls. Donc l'eau, elle va pas faire grand effet. Force. Oh my God.
encore. Et de 3. Cool. Scutosaur, lui il est au sol. Qu'est-ce que je peux bien faire avec lui? Éviter l'attaque. Ok. Alors, on va prendre. On va prendre lui. Ok. Pas encore soin. Oh non, tu m'as fait tout. J'aurais dû prendre filet en premier finalement. Bon, ok, on a fini. Oh mes sourcils, t'en as de la force à revendre. Eh oui. Et là, pour être bourrin, c'est bourrin. C'était bourrin. Mais on a bien régalé, pas vrai? Je suis allée à fond, mais je faisais point de poids. Merci pour le combat, je crois bien que j'avais. Que j'ai appris 2-3 trucs. J'ai un petit quelque chose pour toi. Et ouais, un cristal sel du subsol. Ou terre azolite, si tu préfères. Cool. On a toutes réussi les épreuves des îles. Je vais te montrer la pause pour voir que c'est bien là. Et voilà. Phew là là, ça m'a rincé ce combat. Lily. C'est une dresseuse drôlement fortiste, ton ami. Vous pouvez point vous tromper pour l'hôtel, c'est tout droit. Faut juste traverser le grand canyon de Pony. Par contre, il se peut que ça grouille de dresseurs du vrai chien. Ils viennent tous pour s'entraîner. Ça va point être la tarte d'arriver à l'hôtel. Oui aussi, Lily a construit. Et vous en faites point. C'est sa barde, on viendra à la secousse avec mon fidèle Brunos. Oui, Polly, je vais faire de mon mieux. Cool.
Grand Canyon de Pony. Quel endroit impressionnant. Quel drôle de monument. Tu crois que ça sert à marquer quelque chose? Tiens. Open Max. Je l'ai trouvé au paradis Little. C'est un Open Max. Il me faut encore un peu de temps pour me préparer mentalement. Mais dès que je trouve mon courage de te rejoindre, et je t'aiderai à sauver ma mère et Doudou. Avant que tu n'arrives à me soigner tes Pokémon. C'est toujours plus rassurant d'avoir des Pokémon en pleine forme à ses côtés. Ça, c'est sûr. Hein. Les dresseurs et les Pokémon sont libres et doivent le rester. Il doit rester libre. Oui, il doit rester libre. Bon, on y va. Canicule, ça fait de moins en moins mal, je pense. C'est ça, canicule? Je pense. Non, c'est peut-être le contraire. Je sais, on va me prendre défense. Ok. Cool. Est-ce qu'elle a de non, merci. La feuille. Très bien, continue sur libre toi aussi. Cool. Alors je vais juste faire ça comme ça. Ça comme ça. Ok. C'est quoi ici? Un élixir. Ça c'est bon. Les taux des îles passent par ici. Mais qu'est-ce qu'ils mangent, les enfants de Lola? Non, ils mangent rien.
partout. Mange des fruits, des baies. Parfait du verre. Ou des fois appelé le farfatrol. Parce qu'il y en a qui l'utilisent quand ils font des matchs. Et il peut être puissant. Je crois que le nom. On l'avait déjà tantôt. Bravo la jeunesse d'Alola et bravo à tes Pokémon. Merci. Ok. Attention au max. Tu les esquiver. On va pas esquiver. On va les faire pareil. Montre-moi, montre-nous de quoi vous êtes capable, tes Pokémon et toi. Tu te crois capable de traverser l'endroit le plus dangereux d'Alola, le grand canyon de Pony. Voyons ce qu'il en est. Moi, je serais capable de le passer. J'ai déjà fait une fois. Je peux même la refaire deux fois. Ok. Ok, on l'a eu. Bravo, tu dis, vous serez capable d'atteindre l'hôtel, c'est certain. Quelle farce, j'espère que vous allez jusqu'à l'hôtel. Eh oui, on va espérer. On va espérer. Avant de combattre, on va terminer l'épisode ici. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire
à partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va se retrouver pour le prochain épisode bientôt. Je vous dis merci, à la prochaine, bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Au revoir!